Globalement, c'est mitigé. Donc en orge, c'était franchement excellent. Ouais. Donc on dépasse les potentiels et les rendements historiques. Donc ça c'est top. Donc par contre, je pensais que ça allait pouvoir se maintenir comme ça toute la moisson, mais non, en colza et en blé, on est à plus de 10%. On est entre 10 et 20% en deçà des rendements historiques, et olympiques. Sur la ferme, donc assez déçu sur ce point de vue-là, mais bon, les prix ont l'air de se maintenir, donc on va peut-être réussir à faire quand même quelque chose de bien cette année. Vu que je m'installais cette année, j'ai tout de suite voulu sécuriser au maximum. Vu que j'achetais de l'azote très cher, j'ai engagé du colza et du blé en face aussi à des prix intéressants, donc ça fait que je reste sur des prix moyens de vente. On va dire très très convenable, si ce n'est excellent, pour cette année. Donc, on va dire les rendements sont en deçà des rendements espérés, mais les prix sont bons, enfin, au-dessus des prix moyens, forcément, de ces 10 dernières années. Donc, ça c'est quand même rassurant et encourageant pour la suite de s'être sécurisé au maximum. Ouais. Vu la surface qu'on avait moissonnée avec la machine, on a essayé de faire un peu plus d'orge cette année dans le but en fait, d'étaler au maximum la moisson. Et après, c'est aussi via les variétés donc, en blé, donc avec des plus précoces et des plus tardifs pour que la plage de travail soit la plus large possible. Même si aujourd'hui la moisson, tout s'est concentré en à peu près 2 semaines en blé, orge et colza, on a essayé d'être le plus performant possible. La chance quand même d'avoir un parcellaire qui est bien groupé et bien remembré, donc, ce qui nous permet d'étaler et rateler le minimum. En essayant de dételer et rateler le minimum de fois en une journée pour travailler le plus possible quand la plage météo était le plus avec nous. Une fois aussi qu'on était au blé, de parvenir au colza et ainsi de suite. Donc tout a pu bien se passer sans panne. Donc on va dire que c'est le principal, c'est qu'on s'était bien préparé à l'avance. Parce qu'avec une machine qui a 12 ans, on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc on a eu la chance tout aille bien. Donc on va dire qu'on essayait toujours de s'organiser au préalable. Quand on commençait un chantier le matin, on essayait de finir le champ le soir pour après pouvoir changer, s'il y avait à changer de site, le faire le matin très tôt, le soir très tard, quand les conditions de battage n'étaient pas optimum. Ouais. Faire en sorte d'avoir une machine bien préparée, donc nous après on fait tout ce qui est mécanique entre guillemets de base, donc tout ce qui est entretien de la coupe, tout ce qui est entretien de la coupe on arrive à le faire, les vidanges, ça c'est pareil, ça on fait les vidanges, les changements de courroie c'est aussi nous, après tout ce qui est mécanique plus poussé on essaie de faire par le concessionnaire donc pendant l'hiver. Pour se sécuriser un maximum. Et oui, on est agriculteur, on n'est pas mécanicien. Donc, la mécanique vraiment poussée. Donc tout ce qui est là, par exemple, roulement sortie moteur qui va être à faire, tout ça, c'est fait par notre concessionnaire. À l'année prochaine, c'est essayer encore de faire un peu plus d'orge. Et puis après, c'est aussi au niveau de. Donc là, j'ai des grosses problématiques régra dans quasiment toutes mes parcelles de blé. Donc c'est essayer l'année prochaine de faire autrement, de faire le plus de fausses mies possible. Et puis, faut aussi faire plus de labour pour essayer d'être le plus propre possible. Parce que là, je pense que le régra m'a fait perdre entre 10 et 15% de mon rendement, en blé. S'organiser au préalable le mieux possible, via la préparation de la machine, s'il a sa machine. En fonction de son parcellaire, faire du mieux possible au niveau organisation et puis regrouper, essayer de regrouper les assolements, penser en réfléchissement l'assolement
comment l'année N-1, essayer de bien réfléchir son assolement pour ne pas perdre trop de temps avec la moissonneuse-batteuse l'heure de la moisson venue.